Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 et le cul d'un mouton qui vient de passer devant moi. Voilà, voilà, et qui s'est sauvé. Coucou Violette! Coucou! Donc nous sommes sur Minecraft en 1.8 sur ma map Ramsès 2. Alors, nous allons aller nous promener, voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur la map. Rien de très très extraordinaire à l'extérieur. À l'intérieur, ce sera peut-être mieux. Alors, on va d'abord aller voir si les PNJ ont replanté. Ici, nous avons toujours notre golem de fer. Ah, Violette est contente parce qu'elle regarde un dessin, un truc, un animé en pâte à modeler et ils ont fait une Monster High en pâte à modeler. Et Violette me demande comment elle s'appelle la Monster High. Moi, à part Draculaura, Nefera et Pinper, mais je sais pas. Alors ici, on a énormément de plantations, dis donc. Et les moutons, vous avez de quoi saccager, c'est génial. Bon, donc les PNJ se trouvent vraiment bien ici. Oh, oh là là, tout ce qui a été planté ici, waouh! Dans la précédente vidéo, on n'en avait pas tant. Hein. Ouais, je suis vraiment contente. Cette ville avance vraiment, vraiment bien. On a un golem de fer. Donc déjà, c'est qu'on a le nombre de PNJ qui a augmenté. C'est un golem de fer qui a popé naturellement. C'est pas moi qui l'ai fait. Je n'en mets plus des golems de fer sur la map. J'en ai mis une paire à un moment quand j'avais mis en... Quand j'avais mis les monstres. Hop, Violette me pose des questions sur ce qu'elle regarde sur YouTube, mais comme je ne peux pas avoir la tête aux deux endroits, c'est pas possible. L'autre, c'était pas de patrouille. J'allais dire Doom Patrol, c'est pas pareil. Bon, alors, ici, nous... J'étais encore sur les marches, peut-être, parce qu'il n'y a pas de PNJ de rentrée. Ici, nous sommes donc dans le restaurant de Gratien. Au passage, si vous ne suivez pas Top Chef, je dois vous le dire, Gratien, notre candidat ardennais, choisi dans l'émission Objectif Top Chef de Philippe Etchebest, assure comme un dingue, puisqu'il a été qualifié direct après avoir réussi une épreuve. Yes! Oui, ben il est ardennais, hein, donc on a le droit d'être chauvin un petit peu. Et nous, on n'est pas qu'un petit peu chauvin. Non, mais puis il fait vraiment bien à manger. Pour un amateur, il fait vraiment, vraiment bien à manger. Il fait nuit, donc je vais aller me coucher, puisque j'ai mis des plumards partout. Je ne vais pas être très, très concentrée, parce que j'ai ma fille Violette qui est juste à côté et qui rigole. Donc du coup, excusez-moi si la vidéo est un petit peu coupée. Donc ici, j'ai fait des champs pour que les cuisiniers, parce que Gratien ne va pas travailler tout seul vu la taille du restaurant que j'ai prévu, il va pas être tout seul à cuisiner. Donc les cuisines ici sont assez petites, on a quelques fours, on a quelques tables, mais c'est pas fini. Je vais faire une salle de restaurant gigantesque. Oula! Gigantesque! Parfois, j'ai un petit peu du mal à vocaliser les mots. Vocaliser de Danny Boone. Et j'adore cette expression. Donc, de toute façon, je le dis à chaque fois. Et parfois, vous me mettez en commentaire. Mais quand même, c'est des mots qui n'existent pas. Et ouais. Et alors? Eh, les arbres ont vachement poussé ici, je les ai plantés hier. Alors, donc, ici, nous sommes dans le harem de Ramsès II. Ici, nous avons les endroits pour se reposer, pour tous les gens qui travaillent dans le harem de Ramsès II. Et hier, j'ai fait un petit parterre d'herbe, à première vue, hein, oui, bon, on va dire que c'est de la menthe pour faire le thé à la menthe. Et voilà, mais et j'ai planté un arbre. Attends, on va aller voir de l'autre côté. L'autre côté, c'est pareil, on a des petites fleurs violettes.
Et donc ma fille Violette qui gnougnoute à côté. L'autre jour, on cherchait une fleur sur Internet et on a constaté avec joie que la fleur était violette. Hop là! Bon, bref, on n'est pas là pour parler des fleurs. Hop! Alors, ici, donc, on a le harem de Ramsès II, dont l'entrée se situe ici. Alors, ici, j'avais mis des lianes, hein, mais c'était trop, 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 trop chiant, donc je les ai enlevées. Ah, tu veux montrer ce qu'il y a derrière? Donc là, ici, on a le harem de Ramsès II, et Violette va vous montrer ce que j'ai fait. Bah oui, je sais pas pourquoi t'es partie avec ton coussin, je sais qu'il fait pas très très chaud chez nous. Oui, ça, je l'ai déjà montré, les portes que tu as mis pour décorer. Ben, je suis en train de les montrer. Ça, on a déjà vu. Là, j'ai montré déjà les champs que j'ai faits pour que Gratien ait des herbes fraîches pour cuisiner. Ah mais l'intérieur, j'ai déjà montré ma chérie. Bon ben excusez-moi, nous faisons un petit remember les choses. C'est Violette qui tient la souris, hein. Si à certains moments vous sentez un petit vomi monter, c'est normal. T'avais quoi à montrer? Ah ça! Mais ça que j'ai fait hier. Et on peut monter dessus? Mais bien sûr. T'as fait ça? Voilà, j'ai fait un petit peu d'herbe. Voilà, donc ici nous avons un petit monticule de terre avec des plantes dessus. Maintenant, merci ma chérie. C'est très très aimable à toi. J'espère que vous n'avez pas trop eu mal au cœur. Voilà, donc j'ai fait un petit monticule de terre avec de l'herbe et des plantes. Donc ici nous avons des fleurs. Orange, rouge, et là ici nous avons des fleurs violettes. Alors, tout cela est fait pour décorer un petit peu beaucoup, même je dirais, la cour du harem. Et comme là on est dans un restaurant, il va falloir que j'installe des chaises et des tables. Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'était ça. Alors. Allez, on est parti. 1, 2. Attends, c'est pas en 1, 2. Oui, non, mais attends, là, je fais la vidéo, ma chérie. 1, 2. Attends, je peux me mettre. Allez, vas-y, t'en mets 2. 1, 2. Encore 2. Là, voilà. 1 et 2. Et ce sera bon. Tu veux en refaire? Alors, ici, je vais faire version banquette. Alors ça, je l'ai pas découvert moi-même, le système de faire des banquettes. Peut-être vous l'avez déjà vu dans des vidéos, dans les miennes obligatoirement. Mais c'est Loïc, Lolic, notre grand chef suprême sur Minecraft. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une map ensemble, mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Qui m'a montré un jour, il m'a dit, tu sais comment on fait des banquettes? Ben non. Et il m'a dit, voilà, tada! Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, on va faire ça. Violette, je fais la vidéo. Et là, on va rajouter ça. Mais est-ce que derrière, je peux mettre un tableau? Ouais! Oh cool! Ah purée, j'avais même pas pensé que ça allait marcher. Donc, toujours dans l'objectif, il faut mettre des portes pour que ça plaise au PNJ. Ah mais se fout de moi parce que j'ai dit plorte.
À ce propos, étant donné que parfois je bafouille un petit peu beaucoup, je tiens à remercier, mais vraiment remercier énormément, la personne qui m'a mis un message d'insulte sur ma chaîne. Ah, tu m'as fait une vue que je vais pas te répondre. Sinon, ça va être méchant. Mais c'est pas le but. Voilà, donc... Non, je ne dis pas de gros mots. Mais il m'a fait marrer parce que j'aime beaucoup les gens qui t'envoient des messages d'insultes. Parce que, eh bien, ils sont peut-être insultants, mais ils ne sont pas blessants. Puisque... Moi déjà, vous avez le droit de me critiquer, de me dire des choses. Ça me gêne pas plus que ça. Souvent, c'est constructif en plus ce que vous me dites. Et lui là, il s'est foutu de moi, il a été méchant, enfin, il a cru être méchant parce que je m'en fous complètement, donc voilà. Mais il m'a fait une vue. Oh, c'est ballot ça! Il avait pas tellement calculé ça. Donc merci à tous ceux qui viennent pour mettre des pouces négatifs également. Parce qu'ils sont plusieurs, hein. C'est doit être rigolo, mais bon. Tac. Violette, s'il te plaît. En train de chanter les génériques des dessins animés. Voilà. Bref, on va pas parler plus que ça de lui. Donc, oui, je fais donc dans le harem de Ramsès II, je fais un restaurant qui s'appelle le restaurant de Gratien. Gratien a son restaurant et là je rajoute des tables, donc il va avoir un boulot d'enfer. Donc ici, hop, les clients viennent, ils prennent, ah ben j'allais dire ils prennent une table, mais elle est où la table? Eh ben il y en a pas. Bon alors, désolé, mais avant de tourner la vidéo, nous avons regardé. Avez-vous déjà vu? Bon, ça, c'est sur YouTube. Hein. Je vous conseille allègrement de regarder. Avez-vous déjà vu? Tu disais, Violette? Alors, nouf nouf. J'allais dire nounou, c'est pour ça. Nuf nuf à l'école des charcutiers. Voilà. Alors ça c'est génial. Et Violette en a parlé l'autre jour dans une vidéo. Et on l'avait perdu, on le retrouvait pas. Et tout à l'heure on l'a retrouvé comme par magie. Voilà, donc les clients viennent, ils prennent une table. Bon, c'est un peu compliqué là pour l'instant. C'est pas étudié pour les gens en fait, mais souvent. Vous regarderez un petit peu dans les services publics et tout ça. Il y a des fois, tu te demandes si c'est vraiment étudié pour les gens. Bref, j'allais donner un exemple, mais c'est peut-être pas la peine. Voilà, donc ici, on a une première session de table de restaurant. Je vais en mettre une deuxième, une troisième. Une quatrième, une cinquième, idem de l'autre côté. Et hier j'en parlais avec Marc Phoenix, c'est vrai que j'ai un boulot d'enfer sur cette map et que j'utiliserais WordEdit, ça serait quand même mieux. Mais j'ai pas envie parce que je veux garder le naturel des choses, ça m'intéresse pas de faire les choses vite. Donc cet après-midi... je vais continuer à construire le restaurant de Gratien en mettant les tables de restaurant. Et puis, ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, j'aurai ce que je veux. Hop, et il fait nuit déjà, donc je vais pas tarder à aller me coucher. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis ben, je vous dis à demain pour la suite parce qu'on aura certainement, si j'ai le temps, normalement demain on aura le reste des tables de restaurant. Ah, tu dis au revoir? Ah.
Attendez, la violette qui arrive, parce qu'il y a des fois je raccroche parce qu'elle n'est pas à côté de moi, puis je me fais en disputer. Au revoir. Allez, on vous fait des gros bisous. À plus tout le monde.